Par le soleil, tu es Nora? Je n'avais jamais vu... Qu'est-ce que tu proposes? Je te propose de tester tes compétences face à un trou. J'en suis certaine. Excellent. Tu es bien trop aimable. Bon, tu sais... Et ton copain là-bas? Non, il ne comprend pas. C'est quoi ces épreuves? Le pavillon des chasseurs tient à ce que toutes les zones de chasse offrent aux chasseurs l'occasion de s'entraîner. Les épreuves d'ici concernent l'élément le plus important de la chasse, la gestion de ton endurance. Ce n'est pas une course, c'est un défi. Donc tu proposes un entraînement? Et un troupeau de machines. En plus, je peux accorder des insignes. Un demi-soleil, un soleil complet ou un soleil radieux, selon ton résultat. Je vais devoir y aller. Tu sais où me trouver. Belle.
jungle. Thank you.
du moins pour l'instant. C'est trop dangereux. Thank you.
m'aidera, petite brute. Je vais devoir chercher dans les groseilles.
fais des réserves. C'était facile quand j'étais petite. Je dois me préparer. C'est toi, Uadi, vos trois orteils. Vanasha m'envoie. Qu'est-ce qui t'arrive ? En fait, je me suis fait avoir. Vanasha a battu des cils, secoué les hanches et promis un trésor. Elle voulait qu'on dégage un chemin, qu'on passe la garnison et qu'on désigne des veilleurs. Rien de bien compliqué. Comment on aurait pu savoir qu'il y avait un monstre tapis sous le sol ? Faut que j'apprenne à me méfier des jolies filles. Un monstre a surgi de la Terre ? Oh, j'étais pas clair, c'est ça. Je me demandais pourquoi les Karja de l'ombre s'occupaient pas du passage. Eh ben, y a pas besoin. Parce qu'ils ont un démon bouffeur de rochers. Ils creusent des tunnels, surgit du sol, et soufflent des flammes infernales par sa sale gueule. J'ai failli crever. Mes camarades ont eu moins de chance. Mais je dirais pas que ça me peine. C'était tous des voyous et des tricheurs.
Vanasha sera bientôt là avec Nasadi et Itamen. Je dois à tout prix détruire ce monstre avant leur arrivée. T'es pas bien futé, dis-moi. Bon, je suis pas resté longtemps, mais... je vais te dire ce que je sais. Il est blindé de partout, mais un peu moins à l'arrière. Et quand il s'enfonce sous terre, il oublie où t'es si tu fais pas de bruit. Mais si t'arrives à abîmer suffisamment ses énormes bras crochus, tu pourras peut-être même l'empêcher de creuser. C'est tout ce que je peux te dire. Je te promets de passer à ton enterrement avant d'aller me soulever.
Ça se gardera. Par le soleil éclatant, j'en crois pas mes yeux. J'étais sûr que ce machin allait te massacrer. Après ce miracle, on n'a plus qu'à attendre. Vanasha va pas tarder, avec un bateau pour faire traverser ses amis royaux.